Salut à tous et bienvenue dans Actu Manga. On débute l'émission par l'interview de Shoji Kawamori, un grand nom de l'animation japonaise. Ensuite, un focus spécial artbook. Petit tour du côté des sorties manga du moment avec toutes les nouveautés à ne pas rater. Enfin, un extrait du film Naruto Shippuden Road to Ninja. Actu Manga, c'est parti! Ulysse 31, Macross, Vision d'Escaflowne. Toutes ces séries ont pour point commun le méca-designer de génie Shoji Kawamori, que nous avons eu la chance de rencontrer. Tout d'abord, monsieur Kawamori, racontez-nous un peu le début de votre carrière. Kawamori Shoji desu. Eh bien, l'histoire est assez originale. Effectivement, vous me connaissez principalement en France pour la série Ulysse 31. Mais ma passion pour le mecha design est bien antérieure. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les voitures et les avions. Un de mes rêves était d'envoyer une fusée et pourquoi pas d'aller dans l'espace. Mais c'était impossible pour moi de travailler ensuite dans l'aéronautique, pour la simple raison qu'au Japon, il n'y avait pas l'équivalent de la NASA. Et puis je n'étais pas bon en maths et en physique. Je n'ai donc pas pu aller dans cette direction. Mais au collège, j'avais plein d'amis qui dessinaient vraiment très bien. Du coup, je me suis mis à dessiner et je me suis passionné pour l'animation. Je me suis alors dit que comme je n'arriverais pas à construire quelque chose qui puisse aller dans l'espace, au moins je pourrais le faire de manière animée. Et je pourrais aller dans l'espace via l'animation. En troisième année de lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots dans l'animation. Mais j'ai vraiment commencé à travailler dans le monde du dessin animé lors de ma deuxième année de fac. Pas dans l'animation, mais dans la conception de jouets transformables. Cela m'a véritablement appris à conceptualiser la transformation des mechas et à les imaginer en 3D. C'est un an plus tard qu'on m'a demandé, depuis la France, de m'occuper du mecha design sur Ulysse 31. Ça remonte déjà à 30 ans, mais je suis très heureux de revenir en France après tout ce temps. C'était une période très intéressante et très formatrice pour moi. Après vous être fait connaître avec vos premières œuvres au sein du studio Noé, vous commencez le projet Macross. Oui, c'est très juste. L'expérience de mes premières œuvres m'a permis de me lancer dans le projet Macross. Tandis que je travaillais sur Ulysse 31, j'ai eu l'idée de faire une série avec des robots qui ne soient pas de forme humanoïde, contrairement à tout ce qui se faisait au Japon à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Katsutaka Miyazaki, le mecha designer de Yamato, avec qui s'était créée une forme de rivalité et d'émulation. C'est là que j'ai eu l'idée de créer cet avion avec les jambes arquées, le Gao. Et quand j'ai voulu présenter ce projet, tous les studios ont refusé, car ils voulaient tous des robots de forme humanoïde. Il fallait donc revoir ma copie. Et j'ai eu l'idée de faire évoluer mes dessins vers une forme au contour qui rappelle davantage les humains, ce qui a donné le Macross que l'on connaît désormais. Plus tard, en 1996, vous entamez un projet très important, en mélangeant mecha et heroic fantasy. Il s'agit de Vision d'Escaflowne. Pour pouvoir bien vous l'expliquer, je dois revenir un petit peu en arrière. Avec Macross, j'ai eu l'idée d'ajouter une idole dans le scénario et au chant. L'univers de Macross était déjà constitué. Par la suite, avec Vision d'Escaflowne, je me suis demandé ce que je pourrais rajouter d'intéressant dans l'histoire, à côté des robots, pour créer un univers original et prenant. C'est de là qu'est né le concept d'Escaflowne. À cette époque,
Quand j'étais en train de créer l'univers et que je cherchais de nouvelles idées, je faisais de nombreux voyages un peu partout, dans les coins reculés d'Asie, au fin fond de la Chine, du Népal, du Tibet, de l'Inde. Et là, j'ai rencontré des personnes qui avaient des facultés spirituelles incroyables, capables de voir l'avenir. J'ai donc imaginé que l'héroïne, Hitomi, aurait des visions et qu'elle serait capable d'avoir une perception décuplée. Et pour accompagner Hitomi, j'ai créé un héros qui se battrait dans un mecha. Et c'est vraiment ce duo qui a permis à Escaflowne de naître. Il s'agit donc d'un mélange original de fantasy et d'univers mecha. Vous qui avez déjà une longue carrière dans l'animation, que pensiez-vous du travail du character designer Shingo Araki ? Personnellement, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, même si on a travaillé ensemble sur Ulysse 31. Mais déjà petit, j'admirais ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'histoire de l'animation japonaise. J'ai vraiment énormément d'admiration pour son travail, ainsi que pour son œuvre. On remercie Shoji Kawamori pour nous avoir raconté son parcours si atypique et si fascinant. Il fait partie des rares personnes capables de réussir tout ce qu'il entreprend, que ce soit dans le mecha design, dans la réalisation ou bien le scénario. On lui souhaite de dessiner encore plein de robots géants qui nous fascinent tant. Les personnes aimant les belles illustrations seront aux anges avec le artbook Nostalgia de Tsukiji Nao. Dans ce recueil, l'auteur nous montre toute l'étendue de son talent au travers de dessins pleins de poésie, de féerie, mais nous livre aussi des planches beaucoup plus sombres. Nostalgia est un artbook à découvrir chez Ototo. Le artbook du shonen Solitaire est un ouvrage d'exception, avec une couverture cartonnée, une jaquette et un fourreau en plastique transparent, comme pour l'édition originale au Japon. Cet ouvrage propose plus de 100 pages d'illustrations signées Atsushi Okubo. Réservez-lui une place de choix dans votre bibliothèque, c'est édité par Kurokawa. Et voici les sorties manga du moment. Commençons par le tome 1 de Cœur à Cœur, une nouveauté éditée par Doki Doki. Toujours chez Doki Doki, ne ratez pas le tome 2 de Puella Magi Madoka Magica, The Different Story. Panini Manga nous fait découvrir le tome 1 de Sugar Soldier. Également chez Panini Manga, le premier tome de Haneno Kekkon. La comédie romantique du Haut de mon Monde est un one-shot drôle et léger proposé par Black Box Edition. Rendez-vous avec le tome 9 du Shonen Ratman aux éditions Kana. Le tome 2 de Yu-Gi-Oh! Zeal est également édité chez Kana. Tout comme le tome 73 de l'intrépide détective Conan. Esteban, Zia et Tao repartent à la recherche des nouvelles cités d'or à travers le monde. Un périple semé d'embûches, toujours en compagnie de Sancho, Pedro et l'énigmatique Mendoza. C'est à retrouver en coffret chez Kazé. Bouchez-vous les oreilles! Je crois que j'ai un peu forcé sur la poudre. Halte là! Ne bouge pas! Qui es-tu? Je ne suis qu'une... Hein? Pauvre petite fille qui s'est perdue! Je pense qu'il en a pour la nuit. Peut-être, mais d'autres gardes vont arriver. Dépêchons-nous. Attendez. Ouais. Mendoza, Sancho, Pedro. Allez, les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est venus vous libérer. Ouais. Qui vous a dit qu'on était ici? Rico, on est allé à sa taverne pour vous chercher et il nous a tout raconté. Hé, hey, petit, moi aussi tu me libères, hein? Garde ton calme, tu vas y arriver. Par ici, vite! Et moi?
par où on peut se sauver? J'ai été gardien ici, avant que Zarès m'enferme. Un gardien? Alors tu sais sûrement quelle clé ouvre ta cellule. Celle-là! Avec le tome 1 de Pan Pan Panda, découvrez le quotidien plein de bonne humeur de la petite praline et de Panettone, le plus attachant des pandas. C'est une comédie remplie de douceur, proposant un graphisme rond et agréable. C'est un manga délibérément destiné au jeune public, et pourquoi pas aux parents. C'est édité par Nobby Nobby. Nous retrouvons avec un plaisir non dissimulé nos deux héros atypiques, Jésus et Bouddha, toujours en vacances. Le sixième tome demeure comme les précédents, une pépite d'humour avec ses situations décalées. Il est même proposé à Bouddha de devenir un héros de manga. Les vacances de Jésus et Bouddha est un manga toujours aussi original, édité par Kurokawa. Petite revue de presse. L'excellent bimestriel Coyote numéro 46 est toujours disponible en kiosque. Le dernier né, 30 ans et demi, numéro 1, est un nouveau bimestriel à surveiller de près. Animeland passe bimestriel avec le numéro 194, doté d'une pagination plus importante. Les plus jeunes peuvent retrouver le trimestriel Animeland Extra, numéro 31, avec ses 5 posters. Enfin, ne manquez pas le trimestriel Planète Japon, numéro 26. Road to Ninja est le sixième film de Naruto Shippuden. C'est édité chez Kana Home Video. Allez, un petit extrait, rien que pour vous. Avec le peu de chakra qu'il te reste, je vais sceller Kyuubi dans le corps de Naruto. Non, c'est notre fils, Minato. Je refuse. Je refuse de lui imposer un tel fardeau. Pourquoi tant de sacrifices? Pour maintenir l'équilibre entre les démons et queues? Pour notre pays? Pour Konoha? Je ne veux pas que Naruto soit sacrifié à tout ça. Et toi non plus, Minato. Je ne veux pas que tu donnes ta vie pour moi. Nous appartenons à une seule et même grande famille. Celle des ninjas. On ne le reverra pas avant un bout de temps. Si tu as quelque chose à lui dire, c'est le moment. Mon petit Naruto, mange tout ce qu'il y a dans ton assiette, parce que tu auras besoin de force pour devenir grand et fort. Et le plus important, amuse-toi bien et fais-toi des amis. Pas forcément beaucoup, mais de vrais amis, sur qui tu pourras compter dans la vie. Quelques-uns suffiront. Respecte à la lettre les trois interdits des ninjas. Et puisqu'on parle des choses défendues, méfie-toi de Maître Jiraiya. Naruto, tu traverseras dans ta vie énormément de moments très difficiles. Mais il faudra avoir confiance en toi. Tu devras croire très fort en tes rêves. Et surtout, en tes capacités à les réaliser. Je voudrais te dire encore tellement, tellement, tellement de choses. Et j'ai encore tellement, tellement de choses à t'apprendre. J'aurais aimé pouvoir rester avec toi plus longtemps. Je t'aime, Naruto. Naruto, c'est ton père qui te parle. Je n'ai rien à ajouter au bon conseil de ta casse-pied de mère. Voilà, Actu Manga, c'est déjà fini. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site manga.fr et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Salut! Salut à tous et bienvenue dans Actu Manga. On débute l'émission par l'interview de Shoji Kawamori, un grand nom de l'animation japonaise. Ensuite, un focus spécial artbook. Petit tour du côté des sorties manga du moment avec toutes les nouveautés à ne pas rater.
Enfin, un extrait du film Naruto Shippuden Road to Ninja. Actu manga, c'est parti. Ulysse 31, Macross, Vision d'Escaflowne. Toutes ces séries ont pour point commun le méca-designer de génie Shoji Kawamori, que nous avons eu la chance de rencontrer. Tout d'abord, monsieur Kawamori, racontez-nous un peu le début de votre carrière. Kawamori Shoji desu. Eh bien, l'histoire est assez originale. Effectivement, vous me connaissez principalement en France pour la série Ulysse 31. Mais ma passion pour le méca design est bien antérieure. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les voitures et les avions. Un de mes rêves était d'envoyer une fusée et pourquoi pas d'aller dans l'espace. Mais c'était impossible pour moi de travailler ensuite dans l'aéronautique, pour la simple raison qu'au Japon, il n'y avait pas l'équivalent de la NASA. Et puis je n'étais pas bon en maths et en physique. Je n'ai donc pas pu aller dans cette direction. Mais au collège, j'avais plein d'amis qui dessinaient vraiment très bien. Du coup, je me suis mis à dessiner et je me suis passionné pour l'animation. Je me suis alors dit que comme je n'arriverais pas à construire quelque chose qui puisse aller dans l'espace, au moins je pourrais le faire de manière animée. Et je pourrais aller dans l'espace via l'animation. En troisième année de lycée, j'ai commencé à faire des petits boulots dans l'animation. Mais j'ai vraiment commencé à travailler dans le monde du dessin animé lors de ma deuxième année de fac. Pas dans l'animation, mais dans la conception de jouets transformables. Cela m'a véritablement appris à conceptualiser la transformation des mechas et à les imaginer en 3D. C'est un an plus tard qu'on m'a demandé, depuis la France, de m'occuper du mecha design sur Ulysse 31. Ça remonte déjà à 30 ans, mais je suis très heureux de revenir en France après tout ce temps. C'était une période très intéressante et très formatrice pour moi. Après vous être fait connaître avec vos premières œuvres au sein du studio Noé, vous commencez le projet Macross. Oui, c'est très juste. L'expérience de mes premières œuvres m'a permis de me lancer dans le projet Macross. Tandis que je travaillais sur Ulysse 31, j'ai eu l'idée de faire une série avec des robots qui ne soient pas de forme humanoïde, contrairement à tout ce qui se faisait au Japon à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler avec Katsutaka Miyazaki, le méca designer de Yamato, avec qui s'était créée une forme de rivalité et d'émulation. C'est là que j'ai eu l'idée de créer cet avion avec les jambes arquées, le Gao. Et quand j'ai voulu présenter ce projet, tous les studios ont refusé, car ils voulaient tous des robots de forme humanoïde. Il fallait donc revoir ma copie. Et j'ai eu l'idée de faire évoluer mes dessins vers une forme au contour qui rappelle davantage les humains, ce qui a donné le Macross que l'on connaît désormais. Plus tard, en 1996, vous entamez un projet très important, en mélangeant mecha et heroic fantasy. Il s'agit de Vision d'Escaflowne. Pour pouvoir bien vous l'expliquer, je dois revenir un petit peu en arrière. Avec Macross, j'ai eu l'idée d'ajouter une idole dans le scénario et au chant. L'univers de Macross était déjà constitué. Par la suite, avec Vision d'Escaflowne, je me suis demandé ce que je pourrais rajouter d'intéressant dans l'histoire, à côté des robots, pour créer un univers original et prenant. C'est de là qu'est né le concept d'Escaflowne. À cette époque, quand j'étais en train de créer l'univers et que je cherchais de nouvelles idées, je faisais de nombreux voyages un peu partout, dans les coins reculés d'Asie, au fin fond de la Chine, du Népal, du Tibet, de l'Inde. Et là, j'ai rencontré des personnes qui avaient des facultés spirituelles incroyables, capables de voir l'avenir. J'ai donc imaginé que l'héroïne, Itomi, aurait des visions et qu'elle serait capable d'avoir une perception décuplée. Et pour accompagner Itomi, j'ai créé un héros qui se battrait dans un mecha. Et c'est vraiment ce duo qui a permis à Escaflowne de naître. Il s'agit donc d'un mélange original de fantaisie
et d'univers méca. Vous qui avez déjà une longue carrière dans l'animation, que pensiez-vous du travail du caractère designer Shingo Araki ? Personnellement, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Même si on a travaillé ensemble sur Ulysse 31. Mais déjà petit, j'admirais ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui fait vraiment partie de l'histoire de l'animation japonaise. J'ai vraiment énormément d'admiration pour son travail, ainsi que pour son œuvre. On remercie Shoji Kawamori pour nous avoir raconté son parcours si atypique et si fascinant. Il fait partie des rares personnes capables de réussir tout ce qu'il entreprend, que ce soit dans le méca design, dans la réalisation ou bien le scénario. On lui souhaite de dessiner encore plein de robots géants qui nous fascinent tant. Les personnes aimant les belles illustrations seront aux anges avec le artbook Nostalgia de Tsukiji Nao. Dans ce recueil, l'auteur nous montre toute l'étendue de son talent au travers de dessins pleins de poésie, de féerie, mais nous livre aussi des planches beaucoup plus sombres. Nostalgia est un artbook à découvrir chez Ototo. Le artbook du shonen Solitaire est un ouvrage d'exception, avec une couverture cartonnée, une jaquette et un fourreau en plastique transparent, comme pour l'édition originale au Japon. Cet ouvrage propose plus de 100 pages d'illustrations signées Atsushi Okubo. Réservez-lui une place de choix dans votre bibliothèque, c'est édité par Kurokawa. Et voici les sorties manga du moment. Commençons par le tome 1 de Cœur à Cœur, une nouveauté éditée par Doki Doki. Toujours chez Doki Doki, ne ratez pas le tome 2 de Puella Magi Madoka Magica, The Different Story. Panini Manga nous fait découvrir le tome 1 de Sugar Soldier. Également chez Panini Manga, le premier tome de Haneno Kekkon. La comédie romantique Du haut de mon monde est un one-shot drôle et léger proposé par Black Box Edition. Rendez-vous avec le tome 9 du Shonen Ratman aux éditions Kana. Le tome 2 de Yu-Gi-Oh! Zeal est également édité chez Kana. Tout comme le tome 73 de l'intrépide détective Conan. Esteban, Zia et Tao repartent à la recherche des nouvelles cités d'or à travers le monde. Un périple semé d'embûches, toujours en compagnie de Sancho, Pedro et l'énigmatique Mendoza. C'est à retrouver en coffret chez Kazé. Bouchez-vous les oreilles! Je crois que j'ai un peu forcé sur la poudre. Halte là! Ne bouge pas! Qui es-tu? Je ne suis qu'une... Hein? Pauvre petite fille qui s'est perdue! Je pense qu'il en a pour la nuit. Peut-être, mais d'autres gardes vont arriver. Dépêchons-nous. Attendez. Ouais. Mendoza, Sancho, Pedro. Allez, les enfants. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est venus vous libérer. Ouais. Qui vous a dit qu'on était ici? Rico, on est allé à sa taverne pour vous chercher et il nous a tout raconté. Hé, hey, petit, moi aussi tu me libères, hein? L'explosion vient de là-bas! Dépêchez-vous!